Aujourd'hui, le 1er juillet, je me trouve au parc Jack Layton à Hudson pour célébrer la fête du Canada. Comme vous pouvez le voir, l'ambiance ici est festive. Allons faire un tour des activités qui sont proposées. Oui, on arrive. Chefki, député de Vaudreuil-Soulanges, bonjour. Bonjour. Quelle a été votre programmation de la journée? Mais ça, c'est un événement accueilli par la ville de Hudson. Toutes les activités sont présentement ici au parc Jack Layton. Il y a des barbecues, il y a des activités pour les enfants, des jeux gonflables. Tu peux rencontrer les pompiers. Et vers 10 h ce soir, ils vont avoir des feux d'artifice. Donc, je vous invite tout le monde à venir faire un tour. C'est fun pour tout le monde. Pourquoi est-ce aussi important de fêter la fête du Canada? Mais honnêtement, il faut dire qu'on habite dans le meilleur pays au monde. Alors, on est très chanceux de non seulement vivre au Canada, mais aussi vivre dans notre belle communauté de Vaudreuil-Soulanges. Donc, c'est le temps de sortir, il fait beau, c'est la fête du Canada, pourquoi pas? Vous êtes député de Vaudreuil-Soulanges. Au lieu d'aller à Ottawa, avez-vous décidé de rester ici? Mais honnêtement, je voulais fêter avec mes concitoyens. Tu sais, il y a plein d'activités ici, puis je veux vraiment célébrer avec tous les gens de Vaudreuil-Soulanges. Il y avait des activités à Saint-Lazare, des activités ici à Hudson. Donc, ça fait du bien, surtout après 6 mois à Ottawa, de revenir, de célébrer, de vraiment être en contact avec mes concitoyens. Merci beaucoup. Mais ça me fait plaisir. Bonne fête du Canada. Bonne soirée. Exciting to see. So I want to give a big round of applause to the people that made this a reality. But I also want to thank you who have come out to celebrate our community, our Canadian community. Bonne fête du Canada tout le monde. It's a pleasure for me to be here with all of you. I just want to echo some of the thoughts that Jamie just had and also add the thanks to the unsung heroes all the way in the back over there, the Hudson Fire Department. For the work that they did during the flooding that we experienced in May, they were phenomenal. And I remember being with Jamie and so many others showing up to fill some sandbags at 8:30, and they were already on site. So kudos to all of them for all the work that they did. I also want to thank the team that's here from Hudson for organizing the festivities here today. They gave us an opportunity to celebrate being Canadian. And that's something we should never take for granted. The reality is we are blessed to live in one of the greatest countries in the world. And yes. And they're the ones who gave us the opportunity to celebrate that. And I've always said that what makes strong countries are strong communities. And I am so grateful and I feel so blessed to represent a community of Vaudreuil-Soulanges that has given so much to Canada. And for the last 4 years, it's been a privilege for me to represent you. And I just want to say that from the bottom of my heart. And I want to wish you a wonderful rest of your Canada Day celebrations. I hope you're going to stick around for the fireworks. I know that Jamie and the city officials worked really hard to put on a good show for you. Donc avec ça, bonne fête du Canada tout le monde, and have a wonderful day. Enfin, avec les visages qui se cachent derrière cette belle organisation, Laura McCaffrey, bonjour. Bonjour.
Ça fait combien de temps que vous, organisez la Fête du Canada à Hudson? Bien, la ville comme telle célèbre la Fête du Canada depuis des décennies. Je vous dirais environ un bon 80 ans. Moi, c'est ma troisième Fête du Canada. Oh, 80 ans, c'est beaucoup! Oui, c'est beaucoup. Nous sommes une communauté qui adore la Fête du Canada. Oui. J'entends dire qu'avant, c'était pas au parc Jack Layton. Pourquoi vous avez changé Premièrement, c'est l'emplacement idéal. Je trouve qu'il y a le bord de l'eau, c'est un beau parc. On a déjà nos feux d'artifice qui se font ici. Alors, je me suis dit, tant qu'à faire, pourquoi pas rassembler la communauté dans un lieu, au lieu d'avoir deux célébrations, deux fêtes dans deux lieux. Cette année, c'est fête et feu en un seul lieu. Merci. Oh, wow. Yeah. Oh. Mais quelle est la programmation de la soirée? Bien, maintenant, nous accueillons Isabelle Young, une chanteuse de la région. Elle est super bonne. Puis à 6 heures, on a le gâteau de fête du Canada. Après ça, à 7h30, on accueille Big Jay and the All-Stars, un band de blues. Après ça, à 10 heures, c'est les feux d'artifice. Je vous remercie beaucoup d'avoir fait découvrir la fête du Canada à toute la région et d'avoir fait réunir les communautés. Mais c'est très gentil. Merci beaucoup d'être venu aussi et bonne fête du Canada. Bonne soirée. Je suis à la prestation d'Isabelle Young, chanteuse de la région. Elle nous interprète une de ses chansons ainsi que des classiques canadiens en ce jour de fête. Des festivités de la Fête du Canada, j'ai eu la chance de parler à des gens fantastiques qui nous expliquaient l'importance d'être Canadien. Ce que j'ai préféré de cette journée, c'est de voir comment des gens issus de plusieurs endroits, de différentes cultures, ont pu se réunir, célébrer ensemble la fête de ce pays fantastique, le Canada. Je me trouve au Parc Optimiste de la municipalité des Cèdres où se déroulera le Festival du Tuya. Présentement, on peut voir derrière moi que tous les bénévoles travaillent d'arrache-pied pour que tout soit prêt avant ce soir. Monsieur Blondin, le président de l'ALSAC, qui est l'association qui s'occupe de la fête du Tuya à Lesedes. Bonjour! Bonjour! Comment ça va? Très bien, vous? Ah, je suis en pleine forme. On est en pleine dent. On est en pleine préparation. On y est presque. Dans quelques heures seulement? Ah, le jour J, l'heure J, on est là. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est la fête du Tuya? Ah, c'est compliqué. On se demande c'est quoi. Ça a rapport avec le nom de la ville, les cèdres. Parce que vous savez qu'en Amérique, en réalité, les cèdres, les haies de cèdres, on n'en a pas. Ce sont des haies de Tuya. Si on appelle ça les cèdres, c'est qu'on l'a apparenté au cèdre qui vient d'Europe et du Liban. D'ailleurs, sur le drapeau du Liban, vous voyez, il y a comme un arbre. C'est des cèdres libanais. Nous, ce qu'on a en Amérique, ce sont des Tuya. Puis pourquoi on fait la fête du Tuya au mois d'août? Bien, faut comprendre qu'on est dans une réalité un peu agricole au cèdre. Hein? C'est une des plus grandes communautés en termes de superficie. Et bien sûr, on peut dire qu'on fête la première moisson. On peut dire qu'on fête aussi la première communauté, la plus vieille communauté du comté de Vaudreuil-Soulanges, parce qu'il faut savoir que les cèdres ont été la première communauté à avoir le nom de municipalité après la conquête. Donc, c'est une belle grande fête et c'est pour ça qu'on a une prétention régionale. C'est pour ça qu'on invite tout le monde, pas rien que les gens des cèdres, les gens des alentours, les villes voisines, les voisins et au-delà, bien sûr.
Je crois que, justement, c'est l'Alsac qui a débuté le projet. En fait, c'est une vieille fête. Elle a au moins 25 ans minimum, comme on dit, mais elle a un nouveau souffle depuis 4-5 ans. Cette fête-là est née parce qu'on voulait mettre en valeur, bien sûr, aussi la réalité fondatrice de la municipalité, parce que vous savez que les cèdres est née grâce aux canotiers. Dans le temps de la Nouvelle-France, l'époque de la Nouvelle-France, les canotiers passaient, les coureurs de bois, les engagés, passaient sur le fleuve devant ici pour aller faire le commerce des fourrures au comptoir de la Chine. Mais bien sûr, il y avait des rapides et il y avait aussi les hommes de main pirates de François Perrault, hein, oui, l'île Perrault, hein, le seigneur qui n'avait pas le droit en principe de faire du commerce de la fourrure, mais qui en faisait quand même. Et d'ailleurs, il a fini pirate dans les Caraïbes, ce petit monsieur François Perrault. Et donc, les gens, pour l'éviter, s'arrêtaient donc aux cèdres sur une pointe. Ils disaient, oh, on va s'arrêter aux trois cèdres parce qu'il y avait des cèdres, évidemment, des tuyas, et ils s'arrêtaient là. Et de là est née une petite communauté, puis c'est comme ça. Donc, c'est très vieux, les cèdres. Et cette année, je crois qu'il y a plusieurs nouveautés, dont une qui a été instaurée l'année passée, le changement de site au Parc Optimiste. Oui, effectivement, c'était une des plus belles décisions qu'on n'a pas pu faire. Avant, on avait, comme je vous dis, il y a 20 ans, il y avait aussi des compétitions de rabaska au quai municipal. D'ailleurs, si vous allez au quai municipal, au CERF, vous allez voir, il y a un immense canot. C'est le plus long canot navigable au monde. On a le record Guinness, d'ailleurs, de ce plus long canot navigable. Il a été créé par des cédreaux et des cédrelles. Maintenant, il est exposé là fièrement au quai. Et puis donc, il y avait des compétitions de rabaska, les longs canots que les Amérindiens utilisaient pour transporter la fourrure. Et bien sûr, il y avait des compétitions de canots, de C2 et tout ça. Par la suite, évidemment, comme je vous disais tantôt, la fête s'est un peu essoufflée pendant quelques années, voire plusieurs. Il n'y en avait pas. Et puis, la volonté de la citoyenne, ainsi que la volonté du maire actuel, M. Larouche, et du conseil actuel, eh bien, a fait que cette fête-là est revenue au goût du jour. Et puis, ben, elle a pris de l'expansion. Et comme je vous dis, on a vraiment une prétention régionale. D'ailleurs, on est en association pour une autre nouveauté, c'est qu'on est en association aussi avec le DEV, Explore VS, pour faire une promotion à grandeur. On fait partie des 11 festivals incontournables et on en est très fiers. C'est No, mush by long, give it on, give it to a bend, but look at I old lungs, stayed in his lead up a dragon and he'll boot him with shop, it is out. Make way, then whoop, wee ha! Marsh, I can't ban him at the glitch for toast, then pitch for the shield, the wooden bottom is then the shop, come up, see, sir, us. We've been getting away again, so I'm off the football. S'attendre pour la programmation de cette année. Ah, une autre belle nouveauté, puis ça, c'est fantastique, on en est fiers. Cette année, grâce à nos partenaires, je pense à Plomberie-Montpellier, je pense à Ace au village, je pense à Hélicoptère canadien, à Proxime, à Desjardins, bien sûr, Claude Séguin, bref, toute une bande de gens qui y croient à cette belle fête. On peut cette année offrir, et bien sûr la municipalité, offrir tous nos spectacles gratuitement. Et on a des grosses pointures, là. Oui, oui. Ce soir, le jeudi 1er août, Québec Redneck Bluegrass Project, on attend au-dessus de 2000 personnes. Je peux vous dire qu'au CED, on cherche du stationnement actuellement. Non, tout est prévu. On est prêt à vous recevoir. Demain, une belle nouveauté. On essaie quelque chose avec l'équipe de la Riboulding, qui est un partenaire aussi très fantastique. On arrive ici avec 200 jeux de société sous le chapiteau. On va faire des tournois. Il y en a pour les geeks comme moi qui ont 200 jeux de société chez eux, mais aussi pour les familles, pour les nouveaux qui veulent découvrir les jeux de société. Je dis souvent que le jeu de société, si t'aimes pas ça, c'est pas que t'aimes pas les jeux de société, c'est parce que t'as pas trouvé le tien. Et ça, je paraphrase bien sûr mon ami Normand Damour qui, bien sûr, avec le Randolph à Montréal, fait souvent cette remarque-là. Il a raison. Donc, demain, vendredi, une belle soirée de jeux. Samedi, on est tout en country avec la caravane country. La caravane country qui... Il sera là avec Laurence Jalbert, qui sera là avec Paul Darèche, qui sera là avec Maxime Landry, qui sera là aussi avec Annie Blanchard. Donc, on a des grosses pointures. Et pour terminer notre programmation dimanche, en humour, on a depuis 2 ans qu'on finit notre spectacle en humour. Cette année, c'est avec Peter McLeod et Martin Vachon en première partie. Donc, tout ça gratuitement. Il y a 2 événements payants seulement pendant la fête du TUIA. Il y a
Méchoui du samedi soir, 35 $ par personne. Ça vous donne le droit d'être assis sur une belle table en avant, près de la scène, pendant le spectacle. Et bien sûr, le brunch familial du dimanche. Et dimanche après-midi, pour les enfants, pour la famille, Yannick Bergeron, la magie de la chimie. Yannick est très connu, il fait le tour des écoles, il se promène partout, il fait le défi Pierre Lavoie, il se promène partout et il est extraordinaire. Alors, un beau spectacle gratuit encore une fois avec mon ami Yannick. Bref, il y en a pour toute la famille, pour tous les goûts, pour tous les styles, du country samedi, du rock un peu ce soir, la famille dimanche, l'humour dimanche soir. Bref, on attend tout le monde avec impatience. Quelques heures avant et on voit tous les bénévoles qui sont en train de tout préparer. Qu'est-ce que ça implique préparer une aussi grosse fête? Une fête comme ça, sans les organismes d'une municipalité, moi je dis souvent, si l'économie c'est le cœur d'une communauté, l'implication sociale c'est son âme. Et c'est important. C'est important de le reconnaître. Le travail des bénévoles, le travail des organismes qui s'impliquent. Je pense aux optimistes, je pense au cercle des fermières, je pense à tous ces gens qui aussi de façon complètement bénévole, qui viennent donner du temps. Des fois des gens qui sont en vacances puis qui disent bon ben je vais vous donner quelques heures puis je vais être là. Donc bref, oui c'est énorme. C'est des heures de préparation. Ça fait déjà pratiquement une semaine qu'on se prépare. Depuis vendredi dernier, ça prend des partenaires, ça prend des bénévoles. Alors oui, continuez à vous impliquer. Trop de festivals, trop d'organisations au Québec manquent de bénévoles. Bénévoles, ça veut dire vouloir le bien. Et puis ça, il n'y a rien de plus gratifiant à la fin d'un festival ou d'une grande fête que de dire « j'ai participé à quelque chose de plus grand que moi ». Alors allez-y gaiement, soyez pas timides. Les organisateurs vous attendent les bras ouverts pour vous accueillir parce qu'ils ont besoin d'aide. On en a besoin aussi. Gênez-vous pas. Impliquez-vous dans votre communauté. C'est important. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire ensemble, c'est d'aller prendre une bière. Allez, on va prendre une bière. Ah, c'est parti. Pop the talk! Dis mon vieux gang, il s'était pas sa belle, tu t'es pas cesse de terre. Dis mon vieux gang, il s'était pas sa belle, tu t'es pas cesse de terre. Dis mon vieux gang, il s'était pas sa belle, tu t'es pas cesse de terre. Dis mon vieux gang, il s'était pas sa belle, tu t'es pas cesse de terre. Voyons le profil de fourmis, je pense pas mal d'essayer. Voyons les chambres, les jeux de chaque tribal, le petit peuple, le bouzou. J'ai eu l'opportunité de rencontrer M. Blondin, un des organisateurs de la fête du TUIA, un homme passionné, énergique et haut en couleur qui vous a préparé une fête que vous n'oublierez pas. De la ville de Hudson pour la 13e édition du fameux festival de musique. La programmation a l'air époustouflante. J'ai hâte de voir les spectacles.
Je suis avec Linda Clouette-Maquet, cofondatrice du Festival de musique de Hudson, mais aussi directrice générale. Bonjour! Bonjour! Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une 13e édition. Est-ce qu'on pourrait m'en dire un peu plus sur la programmation? Bon, en fait, la programmation est très éclectique. C'est du classique, du jazz, du blues, du rock. Ce soir, c'est justement c'est GB and the Playboys 2.0. En fait, c'est deux des membres du groupe qui a été fondé il y a 50 ans, en 1960. Et ils ont fait les ouvertures des Rolling Stones, ils ont fait les ouvertures des Beatles quand ils sont venus à Montréal et au Canada. Alors, ils sont ici. C'est une retrouvaille pour eux et nous, c'est une première pour le festival. Alors, c'est pour ça aussi, on a 400 personnes ici ce soir. On a un problème de chaise. C'est un beau problème, hein? Il n'y avait pas aussi seulement du chant hier, j'ai aperçu de la danse. Ah, on avait de la danse contemporaine, le groupe Zogma de Montréal qui font des performances de rue un peu partout à travers la planète. Ils sont en Europe, mais ils viennent de Montréal. Alors, on a eu la chance de les avoir. On a eu Aube, 5 filles, je pense, qui ont fait la performance dans la rue. Et l'année prochaine, bien, Zogma revient avec Cube. Toujours plein de nouveautés. Comme j'ai Sylvie et Thierry ici. Sylvie et Thierry. Alors, des amis qui ont fait la première partie ici de JB and the Playboy. Alors, on a Sylvie Royer et Thierry Fortuit. Alors, qui sont du Québec et qui font du rock. Eve et Sylvie et Thierry, ça fait longtemps qu'ils roulent le boss, mais ils sont venus ici pour la première fois au festival et c'est pas la dernière fois. Ah, merci! Wow! On est super contents. On essaie des choses nouvelles, oui. Et puis c'est vraiment, on était vraiment chanceux d'être la première partie d'un groupe aussi fantastique que celui qu'on va entendre ici, JB and the Playboy. J'ai vraiment hâte de les entendre. On les a entendus en répétition, en test de son, et c'était vraiment super. Puis on est vraiment contents d'être ici. Merci. Et c'était comment pour une première expérience au Festival de musique de Hudson? Ah, c'était très impressionnant. Moi, je suis contente de l'avoir faite, mais je pourrais dire que je n'en suis pas encore revenue, on va dire. Donc, c'est comme demain que je vais réaliser qu'on a fait ça, parce que c'est important pour moi de le faire. Puis je suis vraiment contente d'être venue ici à Hudson. On offre la chance à des artistes d'arriver avec des nouveaux projets. Ils nous présentent ça durant l'année. On met ça dans la boîte. On dit parfait, super. Le directeur artistique est Blair McKay. C'est lui qui fait pas mal le choix au niveau artistique. Moi, je fais tout à peu près en arrière. Mais ça marche. C'est magique, ça marche. On est à la 13e édition. Alors, on est toujours surpris à toutes les fois. On est rendu à 13. J'ai été agréablement surprise par tous les nouveaux chanteurs que j'ai eu la chance de découvrir. Par exemple, j'ai eu le bonheur d'assister à la compétition jeunesse. C'est des chanteurs entre 15 et 25 ans qui ne sont pas nécessairement connus, mais qui viennent faire une prestation. C'était vraiment savoureux. J'ai aussi eu la chance d'assister au spectacle du chansonnier Guillaume Jabour. C'était vraiment un style que je ne connaissais pas trop, mais que j'ai vraiment beaucoup aimé. Encore une fois, c'est assez dommage qu'un autre aussi beau festival de musique se termine. À l'année prochaine pour une 14e édition.